Actuellement, la filière était aidée au travers des crédits du POCEI, du programme communautaire, et que pour pouvoir soutenir cette filière, il y avait la possibilité d'ajouter au POCEI des crédits nationaux. C'est ce que la France a décidé, puisque lors du Conseil interministériel de l'Outre-mer, le président a décidé d'ajouter 40 millions supplémentaires pour l'Outre-mer, essentiellement pour cette filière, puisque les filières bananes et cannes resteraient dans le cadre du POCEI. D'ici cette année, c'est-à-dire dès 2010. Simplement, j'ai indiqué tout à l'heure que les 4 millions supplémentaires pour la Réunion pourraient être alloués pour les opérations qui étaient déjà prévues dans le POCEI 2009, puisqu'on ne peut pas modifier le POCEI. Simplement, le projet défi, nous allons nous donner 6 mois, parce qu'il faut quand même le finaliser, et dès le mois de juillet, on sera en capacité d'indiquer sur le projet défi la participation de l'État et la participation de l'Europe, ce qui permettra que la filière puisse bénéficier des aides de l'État et de l'Europe dès 2011. Vous allez sur une exploitation de canne dans un instant. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre là tout de suite concernant la prime bagasse? Je vais vous répondre tout à l'heure. Je crois qu'il faut que j'échange avec les professionnels. À tout à l'heure.